Alors j'ai un vent de travers, ce qui fait que là j'ai laissé partir ma bombe sur stribord, puisque nous sommes bâbord mur. J'ai laissé mon génois lâche pour qu'il touche pas le balcon. Aujourd'hui à 10 nœuds de vent, des rafales prévues à 16-17. Je suis à 4 nœuds 1. Alors je vais essayer de peaufiner mes réglages. C'est bien parce que là il n'y a quasiment pas de gîte et donc je ne fais que découvrir de plus en plus. C'est quand même phénoménal. Je vais reborder un peu mon génois pour voir la différence. J'ai dû rapprocher la bombe au centre du bateau parce que je vous montrais, ça va te le refaire. Quand je l'écarte, un moment. Oh là, le fait plus trop, c'était mis à faceiller. Quand je resserre mon genou, en fait, ça fait facer ma grand voile alors qu'elle est relâchée. Et vous avez vu la vitesse à laquelle je suis et je suis pas tellement gité. Je me cale sur l'horizon de la mer. J'ai très peu d'angle en fait. Je monte là. Ah, c'est trop bon. Hein. Avec. C'est toujours vent de travers. Je sais pas si on voit là. La girouette. Tout se passe bien. Rien ne tombe. Assez grandiose. Hein. Posé là, je vais entendre un peu le genou. On fait des tests. Voilà, tout le coup. Et ben, c'est un dixième de plus, 4-8. Ah, j'ai parlé trop vite. J'étais vu. Pour pêcher la sèche. Et puis comme il y a eu un petit vent, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de vent. Je vais mettre à la dérive pour pêcher et il y a un poil de vent, c'est trop bon. J'ai mis un petit bol duc, là je sais pas combien de temps va tenir. Et j'ai ramené les penons, je vais les coller tout à l'heure, mais au port, parce que là en naviguant, c'est pas. Et bien j'avance. Hein. C'est. Je suis en pleine découverte au vent de travers. Parce que j'arrivais jamais bien à le régler, je ne comprenais pas qu'il fallait. Lâcher la bombe entre l'histoire de l'écoulement laminaire, l'intrados, l'extrados, mais j'ai pas de pronom, j'en ai sur mon génois. Ah ben, ils sont tout au bas, donc je suis très mal réglé, mais malgré tout, je suis à plus de 4 nœuds. Petite risée là. Mmh. Ouais. Et voilà, 5 nœuds. 5 nœuds. Je vous dis, c'est une formule à ce bateau. Je vais en faire un plein. Je m'en fous, je suis tellement content. Chacun voit midi à sa porte, vous savez. Mais bon, avec 10 nœuds de vent, on avançait déjà à 5 nœuds. C'est vrai que là, on a beaucoup moins de sensations que quand on est auprès serré. Quoi. Et puis on est le. Bien, on est mercredi 8 novembre. J'ai sorti quand même le polaire. Parce que ce matin, oui, ce matin faisait 4-5 degrés. Et 10h30, il doit avoir 12 degrés, 13 degrés. Ça va monter une quinzaine cet après-midi. Je pars sans but. J'étais venu pour pêcher la sèche. Et puis, bah, d'un seul coup, je l'arrive. Alors, je viens d'en mettre une traîne, là. On ne sait jamais. Le vent m'emporte où il veut actuellement.